aussi pour découvrir des entreprises. Je découvre, moi, le concept de forum comme celui-là, je ne connaissais pas avant. Ouais, on a tourné un petit peu partout, franchement, c'est bien fait, ça s'est bien organisé. Les exposants qu'on a pu rencontrer sont vraiment super sympas. Les gens vont être faciles, ils sont aux petits soins. Alors je viens de faire l'atelier studio photo, ça me permettra d'avoir des photos pour mon CV. C'est pas tout le monde qui a accès à des photos professionnelles et donc je trouve ça pas mal, c'est gentil de leur part. Pour le bar à CV, alors je me suis dit que c'était une opportunité d'améliorer mon CV pour le rendre plus visible aux yeux des recruteurs, donc c'était vraiment très convivial, très agréable. Très intéressant et moi en fait je suis intéressée par tout ce qui est psychologie et je gérer le stress et tout. C'était un échange bénéfique. Pourquoi j'ai choisi l'ingénierie? Parce que j'aime bien résoudre des problèmes vraiment complexes en équipe et de pouvoir intervenir dans plein de domaines très différents. Parce que c'est un domaine très scientifique et je suis intéressée par tout ce qui est maths, physique, etc. Et c'est le domaine qui me correspondait. Ça allie aussi la science et la technique. Donc concevoir et tout ça, c'est vraiment ce que j'aime. Bah, mon rêve, c'est de faire un emploi avec du sens, dans une entreprise qui a du sens. Les valeurs que je recherche, c'est dans l'environnement, l'écologie, la transition énergétique. C'est pour moi les trois piliers fondamentaux. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a eu des conférences pour mettre en avant les jeunes qui étaient impliqués dans cette démarche-là. Je sens que le métier d'ingénieur peut vraiment aider à faire avancer les choses. J'apporte quand même pas mal d'importance aux valeurs de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas juste un petit coup de peinture verte, greenwashing, et c'est bon, on fait de l'écologie. J'aime bien quand elle montre qu'il y a des vrais engagements derrière, quoi.